À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Bonjour la famille. Nous avons marché, nous avons roulé pour une raison. Ici, dans la maison de Dieu, tous ensemble. Tu es le bienvenu ici et notre Seigneur nous invite simplement à venir tel que nous sommes, peut-être le cœur chargé, peut-être l'esprit lourd, peut-être l'esprit léger aussi, mais viens simplement tel que tu es et adore. Viens, ne t'arrête pas.
Seigneur, tu nous vois venir à toi pour te célébrer. Nous allons maintenant prier notre Dieu. Je vous invite à prendre la position qui vous paraît le plus adéquate.
Notre Père, notre Dieu, c'est par les mérites de Jésus que nous sommes là devant toi ce matin. Reconnaissant de nous accueillir, reconnaissant pour ta fidélité. Merci pour ta présence auprès de ceux qui sont dans la joie, auprès de ceux qui sont dans la peine, auprès de ceux qui sont pleins de foi, auprès de ceux qui sont dans le doute. Merci parce que tu veux être auprès d'eux. Que nous sachions ouvrir nos cœurs à ta présence, que nous sachions accepter de marcher avec toi. Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont pas pu être là, qui nous sont peut-être avec nous par Internet, pour ceux qui sont découragés, qui se sentent seuls, bénis-les. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur ouvert aussi à ceux qui pensent autrement que nous, ceux qui sont blessés, et d'être attentifs aussi à ceux qui vivent autour de nous, qui ont une place prête pour eux dans ton royaume. Merci pour ce culte auquel nous pouvons participer et que nos cœurs soient ouverts pendant tout ce temps de service. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Nous allons avoir le moment pour les enfants, mais nous allons inviter les enfants non pas à monter sur l'estrade, vu qu'il y a peu de place, mais à se mettre ici devant. Et donc les diacres vont apporter le tapis pour cela. Bonjour les enfants, installez-vous, on attend tout le monde. Derrière là, il y a encore de la place. Là. Passe par là, Roméo. Laissez passer Roméo. Ou sinon, je suis Roméo, tu mets derrière. Roméo, vous êtes derrière là. Là, vers Camille là-bas. Voilà. Là, derrière Camille. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas commencer tant que tout le monde n'est pas encore assis, d'accord? Alors on va attendre. Ça y est, c'est fait? Super. Alors, comment ça va? Bien? Bonjour les grands. Bonjour les enfants. Alors, ce matin, les enfants, je vais vous raconter l'histoire de deux personnes qui ont décidé de marcher, faire une très très longue marche dans le désert. Alors, la première personne, c'est une jeune femme qui a 25 ans et elle s'appelle Robin Davidson. On va l'appeler Robin. Et l'histoire de Robin est une histoire vraie. Ça s'est passé en Australie en 1975. Alors Robin n'a pas beaucoup d'argent, mais elle a un rêve. Un rêve qui semble un peu fou quand même. Celui de traverser le désert australien
jusqu'à l'océan Indien. Cela représente quand même 7 mois de marche et dans un univers hostile. Et en plus de ça, c'est encore plus fou parce que Robin, elle veut réaliser ce périple, non pas avec un avion, ni en voiture, mais avec ses pieds, à pied, elle va marcher. Et toute seule, bon, presque, hein, parce qu'elle sera accompagnée uniquement de son chien, sa chienne plutôt, c'est une femelle, Dikiti. Bon, la chienne, elle s'appelle Dikiti. Et puis, elle sera aussi accompagnée par quelques chameaux. Pourquoi faire les chameaux? Ben oui, merci Roméo, c'est pour porter les affaires. Alors, elle ne va pas partir avec un chameau, ni deux chameaux. Elle va partir avec 3 chameaux. Alors, quand Robin commence à exposer un peu son projet aux gens qu'elle rencontre, eh ben, les gens, ils se moquent d'elle ou lui prédisent qu'elle va à une mort certaine. Mais rien ne semble décourager la jeune femme. Alors elle se prépare pendant des mois. Et puis elle apprend notamment à apprivoiser les chameaux sauvages. Ça, c'est un peu plus dur. Mais un jour, Robin, elle a réussi à capturer les 3 chameaux sauvages. Alors, il y a Bob le chameau, il y a Ducky le chameau, et puis il y a Zélie la chamelle. C'est pas n'importe quelle chamelle, hein. Elle attend un bébé chameau. Alors finalement, Robin, elle va entamer sa marche, non pas avec 3 chameaux, mais avec combien? 4 chameaux. Alors, les gens lui disent, on lui pose la question, mais c'est quoi, quelle est la raison de ton départ dans le désert, marcher longtemps comme ça? Quel est le sens de cette marche? Et Robin, elle répond, mais pourquoi pas? Et c'est vrai, au début de son projet, elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle fait ça. C'est sûr, elle cherche la solitude et à fuir la ville. Mais la finalité, elle n'a pas vraiment réfléchi. Et voilà que dans le silence du désert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le silence du désert l'emmène à se rappeler des souvenirs douloureux de son enfance. Le silence et la solitude sont propices à un retour en soi. Mais voilà, on va laisser Robin là, dans sa quête de soi. Et on va raconter l'histoire de notre deuxième personnage. Vous vous rappelez, il y avait 2 personnes. Alors, le deuxième personnage, c'est un personnage biblique. Et lui, il s'appelle Élie. Alors, la scène nous montre Élie en marche. Il est en train de fuir la colère de la méchante reine Jézabel. Alors, il marche tout seul dans le désert toute une journée. Puis, il se repose sous un arbre, un genêt. Et découragé, épuisé, il réclame la mort et il s'endort. À votre avis, est-ce que Dieu va répondre à la demande d'Élie? Oui et non. Oui, mais pas comme Élie veut. Dieu voit, il voit au fond, au plus profond du cœur de Élie. Et Dieu va le relever. C'est un peu comme le réanimer.
Alors Dieu va envoyer son ange. Qu'est-ce qu'il va faire, l'ange? Il va le réveiller. Réveille-toi. Et il va le nourrir aussi. Et c'est là qu'Élie mange et boit. Il n'aura plus faim ni soif tout au long des 40 jours et 40 nuits de sa longue marche dans le désert. Il va mettre ses pas derrière ceux de ses pères qui ont fait les mêmes marches il y a 600 ans en arrière. Et il marche donc sur le passé, peut-être pour mieux donner un sens à l'avenir, à son avenir. Alors au bout de cette longue marche, il est tout seul sur la montagne et il y va rencontrer son Dieu, l'Éternel. Alors il y a eu un vent fort et violent. Est-ce que l'Éternel était dans le vent fort et violent? Non, l'Éternel n'était pas dans le vent fort et violent. Après le vent fort et violent, il y eut un tremblement de terre. Est-ce que l'Éternel était dans le tremblement de terre? Non, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut du feu. Est-ce que l'Éternel était dans le feu? Non, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Est-ce que l'Éternel était dans le murmure doux et léger? Oh oui, l'Éternel était dans le murmure doux et léger. Alors Élie, il renaît et il prend goût à la vie parce qu'il a rencontré son Dieu qui lui a donné une nouvelle mission. Quant à Robin, les enfants, elle a fini ses 7 mois de marche sur la plage de l'océan Indien, heureuse d'avoir accompli son rêve. Puisse Dieu vous donner à chacun un rêve ou une mission à accomplir. Permets-le tout simplement de vous y accompagner. Que Jésus vous accompagne chaque jour dans votre marche. C'est ma prière pour vous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, l'histoire est terminée. Vous pouvez rejoindre vos parents. Bon sabbat! Voilà, nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans Luc 24, les versets 13 à 15. Merci à Camille d'avoir préparé ce texte. Elle préparait encore ce matin à 8h30 quand j'ai appelé chez elle. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 11 km de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Pour l'instant, non, ça ne fonctionne pas. Ok. Ça devrait ? Maintenant, c'est bien à moi. Hein. Trop pressé de commencer.
Mauvaise langue dirait trop pressé de finir. Alors je pense que certains en rentrant se sont dit, oula, est-ce qu'il y a un chantier qui a oublié de ranger? En tout cas, il y a du bazar. Effectivement, il y a du bazar et donc je veux assumer cela donc devant vous et dire, voilà, j'ai contribué largement à ce bazar sur l'estrade, avec les effets collatéraux pour les enfants en bas et tout. S'il y a tout ça ici, c'est parce que nous venons de vivre une semaine un peu particulière au campus, avec un générique que j'avais un peu zappé, une semaine de réflexion biblique. Semaine de réflexion biblique 2015 avec ce logo que l'on retrouve ici et que l'on va voir tout au long de cette année et cette phrase qui est là, « Je marcherai à tes côtés ». Durant la semaine, on a cheminé, on a essayé de marcher les uns avec les autres. On l'a fait à un moment donné de manière très concrète. Mais surtout, tout au long de la semaine, on s'est retrouvé face à un et à des choix. Parce que cette phrase « Je marcherai à tes côtés », ce n'est pas une obligation, c'est une proposition que Dieu nous fait. Libre à nous de l'accepter ou pas. Libre à nous de lui laisser cet espace ou pas. En tout cas, on s'est posé la question sous différents angles, et je vais vous décrire un peu ce qu'on a là, parce qu'on m'a déjà fait une remarque. Est-ce bien raisonnable d'accrocher un scalp le samedi à l'église ? On a commencé de ce côté avec ce qui est ici une perche à selfie. Vous savez, ce truc-là que l'on trouve à peu près dans tous les marchés, que l'on veut nous vendre dans la rue selon où on se trouve, et que l'on voit en tout cas utilisé dans bien des endroits pour pouvoir se prendre en photo. À une époque, on prenait en photo là où on allait visiter. On prenait voilà, un monument, un paysage. Là, il faut que l'on soit sur la photo. Et à une certaine époque, donc là je fais vraiment office de vieux en disant cela, on avait ce truc un petit peu fou qui était d'avoir déjà un appareil photo, tout n'était pas concentré sur le téléphone, et on prenait le risque d'interpeller quelqu'un, est-ce que vous pourriez nous prendre en photo avec derrière tel monument, tel paysage ou telle chose? Et la personne souvent répondait, des fois même en souriant, avec plaisir. Et il prenait, des fois il demandait juste « j'appuie où ?» On lui expliquait cela, et il prenait la photo, on disait « merci » et on repartait. C'est fini ça, je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de l'autre. Je suis moi, le monument, ma perche, mon téléphone au bout, clac. Et d'ailleurs souvent on se voit surtout soi, le monument derrière, on voit un petit bout. Je me suffis à moi-même. Et on s'est dit justement, est-ce que dans ma vie, je veux avancer seul ? Et réellement, et on a pris un certain nombre d'exemples qui montrent que la vie telle qu'elle est construite maintenant fait qu'on n'a plus vraiment besoin des autres. Que ce soit au péage, que ce soit avec la carte bleue où je fais tout, la personne qui est là à la caisse, on peut ne pas la regarder, pas lui parler, ce n'est pas nécessaire. Elle gère, c'est des fois même, il n'y en a même pas, parce que c'est nous-mêmes qui bipons la carte, fini. On est en train de construire et d'évoluer dans une société qui pousse à ce que l'on vive seul et qu'on se suffise à soi-même. Et le disque qui est en dessous, qui d'ailleurs a été pour certains une révélation bouleversante, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que pour les anciens jeunes, le vinyle, c'est connu. Mais pour ceux de maintenant, c'est de la préhistoire. Ils m'ont demandé si j'avais fait des fouilles ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas si longtemps, ça faisait de la musique, ça. C'est pas croyable, crédible. Pourtant, si. Et là, c'est un disque de Jean-Jacques Goldman. « Je marche seul ». Alors honnêtement, hein, parce qu'il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai, c'est vrai.
C'est Goldman, oui, mais c'est pas « Je marche seul », je ne l'ai pas retrouvé, celui-là. Hein. Mais pour leur passer cette dimension, déjà, il y a quelque temps, il disait « Je marche seul, sans témoin, sans personne ». Et la première question qu'on s'est posée, que je nous repose ce matin, quel est mon choix dans ma vie? Est-ce que je veux avancer, cheminer avec d'autres, ou est-ce que je me suffis à moi-même? Et puis on a avancé, on a pris une deuxième journée où on s'est interpellé sur une dimension de la vie, une vie en équilibre. Un équilibre, c'est toujours quelque chose un peu d'instable. Et malheureusement, par moments dans la vie, il y a des choix que l'on fait qui nous font basculer. Et alors, on vit penché. Alors, ce qui est mignon à Pise, l'est moins dans ma vie quotidienne. Parce que c'est fatigant de fonctionner comme ça. Et qu'en répondant à Dieu, « Oui, j'ai envie que tu marches à mes côtés. » Alors, il nous permettait, lui, en prenant sur lui certains de ses aspects, en particulier le pardon, la culpabilité, et en nous laissant, et les conséquences et le souvenir, de retrouver un équilibre dans notre vie. Et qu'on a besoin constamment de ce Dieu qui marche à nos côtés et qui rétablit un équilibre de vie. Que l'on a illustré au travers d'un film dont la pochette est là, le film Mission. Et le troisième jour, on s'est demandé, mais si ce Dieu m'interpelle et me propose de marcher, il faut que je le connaisse un minimum. Et le regard que l'on a souvent sur Dieu, c'est que Dieu est un concept, une entité vide, absent. Alors parfois, quand il est présent, il est sanguinaire. En tout cas, on s'en sert beaucoup pour justifier toutes sortes d'actions, de loin pas les meilleures. Et puis, si je fais le choix de Dieu, je fais le choix de me priver de liberté. Parce que c'est un Dieu qui apparemment connaît tout. Donc je n'ai plus de choix, je n'ai plus de vie. Et on l'a illustré au travers d'un marionnettiste que pourrait être Dieu. Or, c'est de loin pas ce qu'il est. Mais qu'il y avait... Alors, je précise le scalp qui est là, ce n'est pas le mien. J'ai eu des cheveux il y a longtemps, mais c'est vraiment loin. C'était pour un sketch, pour illustrer quelqu'un qui découvre une forme de liberté. Il y en a qui s'en souviennent. Et c'est un traumatisme. Et en bas, il y a un tableau au travers d'un truc, ça a permis d'illustrer un élément clé. Le fait que Dieu sache tout, que Dieu soit au courant de tout, ne me privant rien de ma liberté, de mes choix, de mon libre arbitre. Et ma vie est faite de choix. Et l'avantage, quand je fais le choix d'avoir Dieu à côté de moi, je fais le choix d'avoir celui qui a une maîtrise complète, ce qui fait que les conseils qu'il peut me donner sont les meilleurs. Alors à moi, à nous, de choisir le meilleur tant qu'à faire. Si je veux apprendre quelque chose, le violon, le foot, je vais parler du foot pour moi hein, par hasard, si je peux avoir Messi comme prof, alors Lionel Messi, hein, parce qu'avec ce nom-là, il y a des confusions, surtout un samedi matin dans une église. Je préfère l'avoir lui comme prof de foot parce que c'est le meilleur. N'en déplaise à certains qui diront que... Voilà, il y en a d'autres très bons aussi, les gars. Vous énervez pas hein, du côté portugais, là. Hein. Je vais chercher le meilleur, celui qui peut m'apprendre le plus. Quand je choisis de répondre à Dieu, oui, j'ai envie que tu marches avec moi, je fais le choix du meilleur. Et le choix de celui qui sait, donc qui va pouvoir me donner les conseils les plus judicieux. Alors visons le meilleur, tant qu'à faire. Ensuite, on a illustré le jour suivant avec un fauteuil roulant. Parce que comment marcher quand on ne peut plus marcher? Que ce soit parce qu'il y a un handicap physique bel et bien là, ou que ce soit un handicap psychologique, personnel, mental, sentimental, familial ou autre. Comment marcher? On a déjà remarqué que c'est Dieu qui se propose lui de marcher, hein. Et si à côté on roule,
ou qu'on a des béquilles, ou quel que soit le moyen, c'est pas grave. Lui, il nous accompagnera. Tous ceux qui ont vécu avec des personnes à handicap et autres savent qu'il existe ce qu'on appelle la tierce personne, qui est fondamentale pour aider de l'aller de l'avant. Dieu se propose d'être notre tierce personne au quotidien. Et qu'il est important que l'on soit conscient de nos handicaps chacun. Et si on réfléchit, si on est honnête, on a chacun nos handicaps qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui des fois nous disent « je m'arrête, je ne veux plus aller de l'avant, d'ailleurs je ne peux pas ». Avoir Dieu à côté, c'est nous aider à aller au-delà. On a vu un petit film d'une femme qui, une folle d'escalade, qui parce qu'un bloc de glace lui est tombé dessus, se retrouve en fauteuil, mais elle s'est dit « non, je veux aller de l'avant ». Et elle a fait un choix de camarade pour aller de l'avant, pour mettre en place toute une structure. Et maintenant, cette femme, elle continue à grimper. Oui, elle est paraplégique. Mais parce qu'elle a des personnes pour l'aider, pour marcher, pour la porter, pour l'emmener jusqu'aux bons endroits, jusqu'à des sites d'escalade, et parce qu'ils ont mis en place tout un système de cordes, de tout, c'est fabuleux, alors elle peut continuer à vivre ce bonheur de l'escalade. Quels sont mes handicaps? Il faut que je puisse les identifier et après dire à Dieu, voilà comment ensemble on peut les dépasser. Comment je peux faire avec? Parce que quand quelqu'un est en fauteuil, il est en fauteuil. Voilà. Comment je peux dépasser cela? Jusqu'où je peux aller? Comment je peux surmonter cela? Et dans ma vie, et voilà, il y en a un qui pourrait dire, mais moi, ma vie, elle est nulle. Je ne vaux rien. Je ne réussis rien. Et Dieu va d'emblée dire, c'est tout faux. Oui, tu as des domaines où tu n'es pas super compétent. C'est vrai, mais c'est le cas de tous. Oui, tu as des domaines où c'est lourd dans ta vie. Mais ensemble, on va marcher doucement, tranquillement, mais on va aller de l'avant. Et puis on est arrivé à cet ensemble un peu bizarre. Et je leur ai posé la question s'ils étaient YOLO ou YODO. Et là, c'est quoi ? C'est un peu étrange. Alors, on va passer hop, il y en a une que l'on va retrouver à la fin. Allez, hop, on va arriver au YODO, YOLO. Comme ça. Voilà. Le YOLO, tout d'abord, c'est ce qui est né en premier. Et ça veut dire « You only live once ». C'est né il y a quelques années par des jeunes qui se sont dit « Moi, je veux m'éclater dans la vie. On n'a qu'une vie, alors... » Hi-haw. Ce qui, dans mon langage, veut dire « profitons à fond ». Ce n'était pas extrêmement clair. Hein. Ce n'est pas du grec, de l'hébreu, c'est du moi. Profitons à fond. On ne se soucie pas, ni des autres, ni de rien. Je profite pleinement de ma vie, c'est tout. Elle s'arrête quand elle s'arrête, je m'en fiche tant que je m'éclate. Et par réaction, il y en a qui ont sorti alors le YODO. You only die once. Sachant que tu ne meurs qu'une fois, construis ta vie. Pense à la construire progressivement. Et pour cela, ça t'implique de faire des choix. Parce qu'on est tous sous influence. Alors, je ne parle pas là, je ne suis pas en train de la NSA et tout ça. Hein, ce n'est pas ça. Hein. Ce matin, on est dans une influence. Si je ne choisis pas d'être accompagné dans la marche de ma vie par Dieu, par ses représentants que les anges peuvent être, que nous pouvons être, alors il y en a un autre qui est tout prêt, qui se réjouit et qui lui fera le nécessaire pour nous influencer vers une direction qui est tout autre. Et pour illustrer cela aussi, nous sommes tournés vers un artiste suisse, Giacometti, qui a créé en 1960 cette œuvre, cette sculpture, l'homme qui marche. Et il a créé cela vraiment dans cette dynamique, je veux voir des hommes en marche, même si, et il a voulu illustrer les pieds dans la glaise, même si ce n'est pas évident des fois de soulever et d'avancer, il a voulu
au travers de cette culture, montrer des hommes en marche. Est-ce que nous faisons partie de cette catégorie, de ces hommes qui marchent, de ces hommes qui déjà vont de l'avant et qui sont interpellés par cette question, cette proposition plus précisément, de Dieu qui dit, écoute, je veux bien marcher à côté de toi. Le texte qui nous a été lu tout à l'heure met en situation, dans Luc, deux personnages qui marchent. On les a appelés disciples d'Emmaüs, on ne sait pas comment ils s'appellent, mais voilà, pourquoi pas. Ils étaient disciples, ils allaient vers Emmaüs, allez hop, on fait simple. Ils marchent. Ils sont déjà dans cette dynamique de mouvement. Et puis là, il y a un gars un peu gonflé qui arrive. Parce que imaginez la situation. Vous descendez à Collonges ou vous marchez dans une direction ou une autre. Vu la distance, vous êtes allé à Annemasse à pied, ce qui arrive fréquemment, et vous revenez d'Annemasse. Déjà bien, bien en forme. Hein. Et puis là, quelqu'un s'approche de vous. Salut, vous parlez de quoi ? Imaginez la situation, quelle est la réaction première ? Eh oh, bah de quoi je me mêle ? Ça, c'est la version soft. Et je m'arrêterai à celle-là. Parce qu'il peut y en avoir une un peu plus physique, une un petit peu plus fleurie. Mais je vais m'arrêter à celle-là. C'est qui ce gars qui vient ? On t'a rien demandé. Je suis avec mon copain, avec qui que ce soit, mais on parle entre nous. Qu'est-ce que tu viens faire là ? Écoute, marche, t'as pas d'amis, va t'en trouver ailleurs. Celui qui est arrivé, et là je lance un petit appel à qui aime bien se creuser, chercher dans sa Bible, celui qui les a rejoints, ce Jésus, est, quand on lit un peu les évangiles, un redoutable, redoutable marcheur. Donc les 12 kilomètres, c'est en se levant le matin, juste pour se mettre en forme. Je cherche, donc là je fais un appel, donc une petite annonce. Je cherche quelqu'un qui prendrait son temps avec sa Bible, ma pie, et qui me calculerait combien de kilomètres a fait Jésus dans son ministère. En tout cas, sur Internet, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. J'aimerais quelqu'un qui prennent ce temps d'aller voir, il est allé de là à là, ça fait tant de kilomètres, j'additionne. Il y a des endroits où on nous dit, il resta dans la région. À mon avis, ce n'était pas le profil à rester statique. Rocking chair, un bouquin, ça déjà à l'époque, ce n'est pas évident. Et puis, vraiment, tranquille. J'aimerais bien savoir combien de kilomètres il a fait en un peu plus de 3 ans. À mon avis, ce serait à faire pâlir pas mal de sportifs. Hein. Avec l'équipement de l'époque, avec ses sandales à coussins d'air et tout ça. Combien cet homme a marché sur toutes sortes de terrains. Il a grimpé, il est resté à plat, il a même marché sur l'eau. C'est dire s'il aimait marcher. Hein. Ça ne l'arrête pas. C'est du dur, je marche. C'est de l'eau, je marche quand même. Waouh ! Et c'est cet homme-là qui rejoint les deux autres. Déjà, c'est bien, ils sont deux. Ils ne sont pas seuls, c'est déjà ça. Bien, bravo les gars. Et il les rejoint. Ils sont en marche, vous êtes en mouvement les gars, c'est bien. Et vous êtes deux. Et je vous rejoins et on communique. On n'est pas dans une dynamique de solitude. On parle. Et eux, ils l'accueillent. Oui, écoute, c'est peut-être au début, ça paraît un peu curieux, mais voilà. Et ils commencent à parler. La Bible nous dit que cet homme ne le reconnaît, ces hommes ne le reconnaissent pas, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas qui il est. Est-ce qu'ils n'avaient pas là un handicap majeur ? De ne pas voir Jésus là où il se trouve. Est-ce que ce n'est pas un handicap que j'ai trop fréquemment ? Ne pas voir Jésus là où il est. Ne pas voir Jésus au travers de l'un ou de l'autre. Non, lui, il est trop mal habillé.
pour m'apporter quelque chose ou pour être un représentant de Jésus. Ou trop ceci ou trop cela. Ou pas assez ceci ou pas assez cela. Oula, pas adventiste, donc pas possible. Est-ce que ces hommes-là n'avaient pas... Oh, ils marchaient bien, ils n'avaient pas besoin de fauteuil. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas un handicap au niveau de la vue, de percevoir Jésus alors qu'il était à côté d'eux? Est-ce qu'il ne m'arrive pas de me dire, quand je vois telle ou telle personne, mais qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il prétend m'apporter? Qu'est-ce qu'il vient faire à côté de moi? Et des fois, on l'écarte. Et on écarte Jésus par la même occasion. Qui, s'appuyant sur qui que ce soit, eh bien, veut nous interpeller. Je crois que ces hommes-là avaient cet handicap. Et Jésus, mais ils l'ont accepté, ils ont cheminé avec, et à un moment donné, ils ont compris, et ils sont repartis. Et eux qui étaient en dépression, eux qui étaient dans une période où je pense qu'ils étaient plutôt en bascule parce que toute leur vie s'écroulait, de par cette rencontre qui au début a été bizarre et qu'ils n'ont pas vu, ils ont fini par retrouver un équilibre, à tel point qu'ils se sont dit, on repart. Pas de problème, il y a quoi, 11-12 kilomètres? Qu'est-ce que c'est que 11-12 kilomètres? Enfin, à un moment que je me suis dit, pas dit ça, hein. Oui, oui, qu'est-ce que c'est 11-12 kilomètres et j'attrape mes clés de voiture? Alors, j'aimerais partager avec vous quelques questions. Ma vie est faite de choix. Quels sont mes choix de vie, mes choix majeurs? Dieu me laisse pleinement libre. Il va apprécier certains de nos choix, il va en regretter d'autres. Mais dans tous les cas, il continuera à me dire, je reste, je veux marcher à côté de toi. Donc je veux me rendre disponible pour toi. Est-ce que je suis en marche? Ou est-ce que je ne suis pas arrêté? J'ai pas envie, j'ai plus envie. Vous savez, on a évoqué hier matin le pas du montagnard. Ce pas qui est lent, mais qui semble inarrêtable. Il est lent. Mais il est régulier et il avance, et il avance, et il avance. Et il passe le salève et il enchaîne avec autre chose. Là où le tout-fou veut aller très vite, mais il ne va pas loin. Est-ce que je suis en marche dans ma vie? En marche avec un Dieu à côté et je veux aller de l'avant. Je ne veux pas rester statique. Je ne veux pas me contenter d'un petit train-train où je viens le samedi matin ici. J'ai toujours la même place et je nettoie comme ça, je dépoussière toujours la même zone de banc et voilà. Est-ce que je suis en marche, c'est-à-dire que je suis en action, attentif à ce Dieu qui est là et qui veut marcher avec moi et qui veut qu'ensemble on aille de l'avant? Est-ce que je suis conscient de mes handicaps? Ça veut dire qu'il faut être lucide sur soi-même, honnête vis-à-vis de soi-même. Quels sont mes points de faiblesse, mes lacunes, mes addictions, mes éléments, mais ce qui fait que dans ma vie, je suis coincé, bloqué. Ces disciples-là ne voyaient plus. Peut-être la tristesse, peut-être autre chose, ils ne voyaient plus. Moi, j'en suis où de mes handicaps? Est-ce que je reconnais Jésus au travers peut-être de l'un ou de l'autre, qui est ici, qui est en dehors? Est-ce que je reconnais Jésus au travers de l'autre? Parce qu'à cette époque, il était là physiquement. Ce n'est plus le cas. Est-ce que j'arrive à le reconnaître au travers de ceux qui m'entourent? Au travers de la Bible, encore faut-il l'ouvrir? Au travers de la prière, encore faut-il prier? Et au travers de l'humain, attention, ce n'est pas une question d'âge. Est-ce que je peux voir Jésus au travers d'un enfant? Il est trop petit quand même, hein. Jésus est plus grand. Hein. En tout cas, il y a d'autres enfants à son époque, ils l'ont bien perçu ce Jésus. Hein. Et puis il me semble qu'il y a, je sais pas, un passage qui évoque de redevenir comme des enfants, petite chose comme ça. Hein. Est-ce que
je reconnais Jésus au travers de l'autre, au travers de l'enfant, au travers de la nature ou autre, et je me laisse interpeller par cela. Et est-ce que je suis prêt, moi, alors, je vais l'expliquer, hein, à être Jésus pour l'autre ? Attention, hein, je ne suis pas dans une usurpation ni de titre, ni de tout ce qui a été fait, et heureusement pour nous tous, mais est-ce que je suis prêt à être un moyen que Dieu va utiliser pour interpeller l'autre ? C'est-à-dire, est-ce que je me rends disponible pour des fois marcher aux côtés de l'autre qui va bien ou pas bien, mais qui a besoin de soutien, qui a besoin de moi pour aller de l'avant ? Est-ce que je me rends disponible ? Parce que des fois, on est tout content quand ça ne va pas d'avoir du monde qui nous soutient. Est-ce que moi, je me mets à cette place et être prêt à, est-ce que je suis prêt à être le soutien pour l'autre ? C'est-à-dire, je joue le rôle entre cette proposition et l'autre, et je deviens pour l'autre une personnification de cette proposition. Est-ce que je suis prêt à faire cela ? Ou est-ce que je n'ai pas 36 autres choses à faire, souvent tout seul, qui m'intéressent beaucoup plus ? Vers quoi, vers qui, vers où me conduisent mes pas ? Jésus, tout au long de sa vie, si vous regardez, quand il a marché, il a marché pour aller sauver, pour aller guérir, pour aller prêcher, pour aller délivrer, pour aller faire toujours quelque chose de constructif. Vous savez, des fois, c'est terrible quand des fois on dit, mais est-ce que tu pourrais venir ? C'est que tu n'habites pas tout près quand même. Hein. C'est vrai. 10 minutes de voiture. Heureusement que Jésus, en son temps, il n'a pas dit ça. Hein, parce que déjà, en voiture, il n'a pas fait beaucoup de trajets. Il a toujours été prêt à marcher. Il a fait tout ce qu'il pouvait, là où ses pieds le portaient, mais toujours vers du constructif, vers du positif, toujours prêt à marcher avec. Oh, il a pris quand même des petits moments où il a marché tout seul. Parce qu'il avait aussi besoin de se ressourcer. Et on a aussi besoin de ces moments où on reprend une petite dose de force. Mais il a pris beaucoup plus de temps vers les autres, pour les autres, avec les autres. Alors, chaque semaine, on va voir cela. Et je nous invite à nous laisser interpeller chaque semaine. Est-ce que cette semaine, j'ai laissé Dieu marcher avec moi ? Est-ce que cette semaine, j'ai repéré Jésus qui marchait à côté de moi au travers de l'un ou de l'autre ? Est-ce que cette semaine, j'ai été disponible pour être ce Jésus qui marche à côté de l'autre ? Alors je nous invite à nous laisser interpeller, mais concrètement, vraiment concrètement, et de se poser des questions qui vont avec, qui sont inévitables, d'handicap, de choix et autres. Alors voilà, ne vous habituez pas à ce qu'il y a devant, à gauche. Habituez-vous à ce que ça vous et ce que ça nous interpelle. Et alors, on sera tous bénéfiques parce que la réponse à cela aura des effets collatéraux envers tous. Je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Transformons-le pour chacun d'entre nous. Je marcherai à tes côtés, je serai ton Dieu et tu seras mon ami. Encore faut-il que nous le voulions bien. Il nous laisse le choix. Amen.
Je n'étais qu'un damné. Tu me montras la véritable raison du salut. La vie me semblait si redoutable, mais tu es descendu pour me montrer les bontés que tu m'as réservées. Tu es mon héros de la foi, soldat de la croix. Chantons la merveilleuse histoire d'un sauveur. Son amour, oui, Dieu nous conduit vers un homme merveilleux. Chantons l'amour de Jésus, car pour nous il mourut. Il est le héros de la foi, soldat de la croix. Chantons la soldat de la croix. Soyons des héros de la foi, soldat de la croix. Chantons la merveilleuse histoire d'un sauveur, d'un roi. Car il est grand temps de nous lever, de porter le flambeau. Soyons des héros de la foi, des soldats de la croix. Car il est grand temps de te lever, de porter le flambeau. Tu peux être un héros de la foi, un grand soldat de la croix. La marche avec Jésus, des fois, nous conduit devant un plateau d'offrandes. C'est aussi une expérience avec lui, dans la confiance, dans la joie et dans la liberté. J'invite maintenant les diacres à passer dans les rangs.
Je vais vous inviter à vous lever pour ce moment de prière et nous resterons ensuite debout pour un chant qui sera un chant de marche et dynamique et de mouvement. Seigneur, nous venons d'exercer notre libre choix de donner ou pas pour cette offrande, de donner ou pas de la dîme. Merci de nous laisser libres, mais merci aussi d'être celui qui accompagne cette liberté, qui accompagne nos choix, qui veut nous conseiller le meilleur des choix, les meilleurs choix. Parce que toi, tu sais, tu connais, tu aimes, tu veux le meilleur pour nous. Merci de ta disponibilité. Merci de ce que tu nous donnes. Merci de ce que nous pouvons vivre. Et merci parce que nous pouvons aussi faire des gestes, des actions concrètes envers les autres, au travers de ma disponibilité pour eux, comme au travers de ce que je peux donner, y compris de mon argent pour eux. Alors oui, beaucoup de raisons de te dire merci, mais surtout, un choix à faire, toi à nos côtés ou pas. Moi, j'ai choisi de t'avoir à côté de moi, que ce soit pareil pour tous, en Jésus qui nous a montré l'exemple. Amen. Durant la semaine de réflexion biblique, il y avait un chant-thème. Donc nous allons finir avec ce chant-thème qui est assez dynamique. Sur la marche, il y a une partie homme, une partie femme. Je ferai avec les hommes, Christelle fera avec les femmes. Et pendant le refrain qui nous dit « marche, marche, marche », qu'est-ce que nous allons faire ? Marcher sur place. Et durant la louange, il y aura un moment où il faudra se déplacer. Quand je ferai ça, c'est à droite. Ensuite, on reviendra. Vous nous suivez. Voilà, marchons tous ensemble. Ce sont les hommes qui commencent. Yeah.
Voilà la bénédiction de celui qui nous invite à marcher avec lui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des Saint-Esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Alors marchons avec nous.